Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. My name is Eden and I teach French. And today we are going to work on something special which is your DELF A1 listening comprehension. So this is the first video of a series that I am releasing and it's made for learners who would like to practice uh, specifically their DELF A1 Listening comprehension test. So, what is the listening comprehension test? This is what we call la compréhension orale du DELF A1. And this is the first part of the DELF A1 exam. It's supposed to last about 20 minutes. But once again, if you would like to support this channel, feel free to like this video and to subscribe to my YouTube channel, Learn to French. So, this is how the DELF A1 listening comprehension test goes. You will hear each file twice. So, for each exercise, you're going to have to listen to an audio file. And this audio file, you will have to listen to it twice. You're going to have 30 seconds before listening, 30 seconds to read the questions. And then they are going to play the document. And then 30 seconds to pause between each listening. This gives you time to answer your questions after listening to the document one first time. And then finally, they are going to play uh, the document another time, so a second time, and then you are going to have another 30 seconds to complete your answers. When it comes to dialogues, usually you will listen to uh, either four or five short dialogues. It depends on the exercise, but usually you will have different situations in your test paper, and one of those situations will not match with any of the dialogues. So in this kind of exercise you have to match the situations with the correct dialogue. One of those situations does not match with any of the dialogues. And this is how we are going to practice today. You will hear some examples of audio files that can be used for the Delf A1 listening test. I am going to give you 30 seconds to read your test paper and then i am going to play the document one first time and then give you 30 seconds to answer and play the document a second time and then once again give you 30 seconds to complete your answers okay c'est parti exercice numéro 1 vous allez entendre deux fois un document il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes puis Vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. You are going to hear a document twice. There will be 30 seconds of pause between the two listenings and then you have 30 seconds in the end to check your answers. Now here, they are asking you to read the questions first. So on your test paper, you should have your exercises in front of you and read exercice numéro 1. You now have 30 seconds to check the questions. Okay. Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions. I am now going to play the document for the first time. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. You now have 30 seconds to answer. I am now going to play the document a second time. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. And finally, you have 30 seconds to complete your answers. Exercice numéro 2. Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Vous avez 30 secondes pour lire les questions. Répondez aux questions. Exercice numéro 2. Écoutez le document. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30 Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Vous avez 30 secondes de pause. Deuxième écoute. Salut, c'est Jean, on va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30 Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Vous avez 30 secondes pour compléter vos réponses. Exercice numéro 3. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues et pouvez compléter vos réponses. Regardez les images. You are going to hear several short dialogues that go with different situations. You are going to have 15 seconds between each dialogue. And then you will hear those dialogues a second time, and then you will be able to complete your answers. Now, you have 30 seconds to look at the images. Écoutez les dialogues une première fois. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez, maman, viens, on rentre. Une minute, ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Vous avez 30 secondes de pause. Écoutez les dialogues une deuxième fois. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez, maman, viens, on rentre. Une minute, ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Vous avez 30 secondes pour compléter vos réponses. Exercice numéro 4. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Lisez d'abord les questions. You are going to hear several short dialogues that go with different situations. You will have 15 seconds between each dialogue, and then you will hear those dialogues a second time, and then finally you will be able to complete your answers. First, read the questions. Associate chaque situation à un dialogue. Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer où est-ce ou qu'est-ce qu'on demande. So, you need to match each situation to a dialogue. For each situation, you have to put a cross to indicate where it is, with, or what are we asking? Qu'est-ce qu'on demande? Vous avez 30 secondes. Écoutez les dialogues une première fois. Situation 1. J'ai réservé pour deux nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, troisième étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors un plat du jour, s'il vous plaît. Vous avez trente secondes. Écoutez les dialogues une deuxième fois. Situation 1 J'ai réservé pour deux nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, troisième étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît Stac au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors un plat du jour, s'il vous plaît. Vous avez trente secondes pour compléter vos réponses. Passons maintenant à la correction. Let's now check your answers. Exercice numéro 1. Le train part du quai. Numéro 5. À quelle heure part le train À 15h18. Exercice numéro 2. Jean propose d'aller au cinéma. À quelle heure passe Jean 18h30. À qui parle Jean on ne sait pas. Complétez son numéro de téléphone 06 30 22 15 59. Exercice numéro 3. L'image A correspond à la situation numéro 3. L'image B correspond à la situation numéro 2. L'image C ne correspond à aucune situation. L'image D correspond à la situation numéro 1. L'image E correspond à la situation numéro 4. Exercice numéro 4. Situation numéro 1. Où est-ce À l'hôtel. Situation numéro 2. Qu'est-ce qu'on demande Un billet. Situation numéro 3. Où est-ce Dans un restaurant. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. If you would like to share your experience of the DELF A1 exam, feel free to do so in the comments. Don't forget to like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.